Du coup, il faut qu'on capture le raptor, on améliore la maison, mais... Ah. Quand on voudra faire les boss, il faudra aller ici. Il faut faire une offrande. Et les offrandes, on les trouve dans les grottes. Il va mourir. Oh les... Y'a pas d'autre truc là, chien là. Bah si, y'a un Terry. Il vient pour moi. Putain... En plus, il avait trop de choses sur son inventaire, bah oui. Diop di dop, les petits potes. Non, je peux pas commencer comme ça, Je me suis emporté, pardon, ça, j'arrête, c'est terminé. Bref, la dernière fois, c'était l'échec total, y'a rien qui allait. Donc cette fois-ci, on va améliorer notre équipement. Du coup, j'ai un peu joué en solo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, là, ici, voilà, on a du métal. Métal, c'est bien. J'ai récupéré de la viande, de la peau, et j'ai découvert ça. Une chemise en tissu inhabituelle, du coup ça améliore mon armure. C'est armure 14,8 et normalement en tissu normal c'est 10, donc plus d'armure. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai trouvé une table aussi, pas mal pour poser les marchés pilons, plutôt pas mal. On a les pots, j'avais fait des pots la dernière fois, on a beaucoup de narcobéries encore. Je vais pouvoir refaire des pots de narcotiques avec la viande que j'ai récupérée. J'ai trouvé des patates aussi, hop. Ah putain, mais oui, j'ai ça aussi, j'ai découvert ça. J'ai découvert le bocal d'eau. Le bocal d'eau, c'est incroyable. Déjà, je peux boire plusieurs fois dedans. Et l'eau ne fuit pas à travers. Parce qu'avec la gourde en pot classique, qui est juste là, l'eau, elle descend. C'est la petite barre qu'on voit là. L'eau descend au fur et à mesure. Donc, c'est chiant, en fait, hein, simplement. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps et gérer toi, sauf à toi, et gérer le remplissage de la gourde. Très chiant. Alors que là, du coup, l'eau ne fuit pas. Et il faut boire, il me semble, deux fois dedans, si j'ai pas de conneries. Donc, c'est banger. Du coup, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Déjà, pour améliorer l'équipement, il faut ça, l'atelier. L'atelier, il faut des lingots de métal. Du coup, pour ça, j'en ai farmé, juste là, 12. Ensuite, bah, est-ce que je peux le faire maintenant, là? Je parle, mais on va le faire maintenant. Il fallait du bois, j'ai vu. Prendre, j'ai bientôt plus de haches. Est-ce que je peux la réparer? Non, qu'est-ce qu'il me faut? J'arrive pas à voir. Qu'est-ce qu'il me faut? Du bois, bah, c'est parfait. Du coup, ouais, il va me falloir l'établi pour crafter, du coup. En vrai, je pense en priorité, j'essaie de faire l'arbalète, mais je crois que j'aurai pas assez de métal. Sinon, je fais la pioche en métal. Parce que, oui, du coup, pour l'instant, pour farmer le métal, j'ai dû taper des petits cailloux nuls comme ça, là. Que j'ai pas trouvé encore d'endroit où je peux farmer du métal. Du coup, j'ai dû taper des petits cailloux comme ça, là. J'en ai pas eu beaucoup. 12 de métal, c'est vraiment peu. Et avec une pioche en métal, du coup, j'aurai plus de métal dans les cailloux. Et si j'arrive en plus à trouver un spot à métal, ça sera précieux, là, hein, trop riche. Ah bah, voilà, qu'est-ce qu'il y a là? Un petit drop vert. Qu'est-ce qu'il va nous offrir celui-là? Qu'est-ce que tu me donnes, toi? Oh, bah, incroyable. Pêche tranquillisante, c'est ça aussi que je voulais. Je voulais la pêche tranquillisante, du coup, pour tenter d'apprivoiser le raptor. C'est un échec total. Mais du coup, cette fois-ci, avec tous les pots que j'ai, je vais pouvoir faire masse de flèches tranquillisantes parce que j'en ai, voilà, 56. Et pour faire des flèches tranquillisantes, c'est bien les dossiers, hein, mais des fois, j'ai du mal à me repérer. Voilà. Il faut une flèche en pierre et un narcotique pour faire une seule flèche tranquillisante. Là, j'en ai déjà 15. En vrai, pour les niveaux qu'il y a actuellement, ça devrait largement suffire. Déjà une seule, je pense que j'en endors un. Donc, en vrai, ça devrait largement suffire. Mais bon, ça fait toujours plaisir, moi je prends. Je pense aussi la prochaine fois, je vais essayer de voir pour augmenter le niveau des dinos. C'est vraiment l'objectif, c'est d'aller faire les boss. Et... On va pas y arriver. Hein. Miskin, il est niveau 17, les raptors restent niveau 6, 2 là, plus la merde. Donc je pense que je vais clairement tenter d'améliorer ça. Bref, pour l'instant, on suit où? Ici, chez moi. Dans structure, fabrication. Là, voilà. Atelier. Ah, j'ai pas assez de bois, mais j'ai quoi. Il me fallait du bois et... Parce que de la peau, je sais que j'en ai, voilà. Et de la pierre. Pierre, ah, mais je crois que j'ai tout claqué. Fais voir. Ah bah ouais. Là, maintenant, je vais essayer d'aller plus loin. Parce qu'à chaque fois, je pétais tous les arbres ici. C'est trop chiant. Et du coup, ça repousse pas dans la zone de la base, en fait. Donc, il me faut du bois, de la pierre. Je fais mon atelier. Ah, attends, mais est-ce que j'ai appris l'arbalète seulement? Est-ce que je l'ai? Bah, en vrai, je suis pas obligé de faire avec l'arbalète. Hein. Je peux faire avec l'arc, en fait. Hein. Mais l'arbalète, c'est pas mal. J'aime bien l'arbalète. Je crois que j'ai pas l'arbalète. Hein. Si, là. Ça demande combien de métal? 7. Je pense que si je tape encore quelques cailloux, on va le faire. Du bois, j'en ai combien? Qu'est-ce qui se passe? Qui m'attaque? Et où? Ah, voilà. Mange tes coups d'âge, toi. Voilà. Merci beaucoup. Il me faut de la pierre. Il me fallait 20, je crois. J'en avais combien? Problème. Non, voilà, il en fallait 50, ok. C'est long. On va donner de la pierre. Attends, viens. Voilà. À chaque fois, les coups d'âge dans le crâne, ça pardonne pas. Hein. Mais du coup, je pense que oui aussi. Vu que je vais voir pour essayer d'augmenter le niveau des dinos sauvages, et bah, ça risque d'être plus compliqué. Que là, pour l'instant, je m'en sortais bien. La seule fois où je suis mort, c'est parce que je sautais d'une falaise. Mais je pense que les prochaines fois, je vais mourir parce que je me fais graille. Hein. C'est être affolant. Parce que mais j'ai vu le big frérot là, qui est où là? Je sais plus où il est. Bref, le bronto là, il est niveau 1.
Il pue la merde. Il pue la merde. Donc vraiment, pour les boss, je n'ai aucune chance. Il pue la merde, donc j'ai aucune chance. Donc je n'ai vraiment pas envie de galérer à les faire monter de niveau en faisant des coffres ou en faisant de la reproduction. Parce que oui, avec la reproduction, on peut améliorer leur stat et leur niveau, mais vraiment trop la flemme, j'ai une flemme intense de faire ça. Donc on va tout simplement augmenter leur niveau. Ici, l'atelier, voilà, ça c'est fait. Ah, si, bah, j'ai parfait, bah, j'ai assez de métal pour faire une arbalète. Est-ce que je vais la mettre, l'atelier là? Les coffres, en vrai, je pense que je vais les mettre ici. Et l'atelier, il va être juste là. Voilà. Alors, prends ton métal, prends ton bois, de la peau, j'imagine qu'il va me falloir, de la pierre peut-être, j'en sais rien. Je mets tout au hasard, du branchage, libre, voilà. Alors, arme. À distance, arbalète, parfait. Dans mêlée, je peux. Ouais, il va me manquer un lingot de métal. Je pense que je peux le faire maintenant là. Ah, mais attends, putain, mais non. Parce que du coup, vu que j'ai. Parce qu'en fait, vu que j'ai cassé tous les petits cailloux qui donnaient du métal, je pense que. Ah le petit aileron qu'on voit. Voilà. J'ai eu peur, j'ai vu la taille du truc ici, je savais pas ce que c'était. Par contre, le petit aileron là-bas, là, il veut pas bouger le frérot. Mais je pourrais peut-être essayer de l'apprivoiser du coup. Quand j'aurais monté. Niveau. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin là? D'accord. Ok, bon bah vas-y frérot, je fais l'arbalète. Voilà, bam, ça c'est fait. Du coup, le lance-pierre. Vas-y, fais bien voir frérot. Un petit truc à te montrer, regarde ça, ça. Bon, voilà, hein, le jeu a crash. Du coup j'ai dû refaire. Après ça va, c'était pas un crash de fou non plus. Je devais juste refaire l'atelier. Je devrais refaire l'arbalète. Après c'était pas un gros crash, mais le jeu a crash, hein, c'est la classico. Alors attends, parce que du coup il a crash ici, hein, quand je voulais jeter ça, il me semble, hein. Donc ça. Voilà. Adieu le lance-pierre. La pollution. Bref, du coup. Ah oui, il y a ça aussi. Parce qu'on m'a donné une petite astuce, hein, pour. Voilà. Puis là, du coup, c'était vraiment un toit, mais moi, ce que je veux, c'est une rampe. Voilà. Ça, c'est une rampe. Ça, c'est les escaliers. Je pense que les escaliers, c'est mieux. Je vais laisser avec les escaliers, je pense. Ça m'a l'air pas mal. Maintenant. Ah bah non, bah MDR. Bah oui, vu que ça crache, du coup, je. Bah oui, bah j'ai plus les feuilles tranquillisantes que j'avais, en fait. Ah, c'est vraiment un bonheur, ça. C'est vrai. Ah bah oui, bah aussi. Du coup, pendant que j'ai joué tout seul, j'ai trouvé une fumigène inutile. Ça me servira à que dalle pour l'instant, mais voilà, j'ai une fumigène, ça fait toujours plaisir. Je vais me faire des feux tranquillisantes. Je vais me les faire moi-même, d'ailleurs, vu que ce jeu de merde a crash. Et où déjà, ça doit être dans armes, munitions, voilà. En vrai, je pense que je vais en faire... je vais faire comme j'en avais eu dans le truc, 15, ça m'a l'air pas mal. Du coup, je pense qu'il est temps de prendre sa revanche sur... après je sais pas si c'est une bonne idée du coup, parce que si je veux augmenter le niveau des dinos, t'es ma raptor maintenant, c'est peut-être pas une bonne idée parce que du coup je vais me faire arracher partout et qu'ils auront tous step up. Non, je vais pas tamer le raptor, je vais le garder pour l'instant pour plus tard. Donc en attendant, ce qui va se passer, c'est que la maison là, elle va être améliorée, parce que ça va pas du tout. Parce que là au bout d'un moment j'aurai plus de place pour stocker mes trucs. Et est-ce que j'ai appris, parce que là pour l'instant on a des coffres, des caisses de stockage. Moi ce que je veux c'est des plus grands coffres, moi je veux stocker plus de choses. Voilà, grande boîte de rangement et étagère. Allez, c'est parti, on va commencer à rénover un petit peu cette maison là. Fondation en bois, parfait, viens là. Où est-ce que je vais caler ça? Du coup, l'arbre il est pas mal ici, j'aimerais bien le garder, il est mignon. Il est mignon de ouf. Comment est-ce que je peux faire la chose? En vrai, je pense que je vais faire comme ça. Attends, viens pour toi pour voir. Viens, suis-moi juste là. Oui, ah oui, tu cavales toi. Voilà, arrête de bouger, toi. Voilà, la porte, je peux pas la récupérer. Ah si. J'ai mis un coup pourtant tout à l'heure, ça s'en bat les couilles. Ok, on va voir que je pense à sauvegarder. Viens là toi. Ah bah oui, mais du coup il est four. Mais ça va, je peux les dépasser je crois. Enfin, oui c'est bon. Comment est-ce que j'améliore le bail là? J'en ai aucune idée. On va faire ça comme ça. Je vais caler la porte, enfin, la porte, le mur comme ça. Et évidemment je suis con, je sais pas, non, attends, viens là toi. Tac, la porte, je vais la mettre là je pense en vrai. Ça a l'air pas mal ici. Là là, aucune idée, hein. je fais tout au hasard là. Ok. Parce que du coup, là, là, quand on va rentrer, de prévisualisation, du radier, ce putain de mot. Voilà, quand on en rentre, ça va faire comme ça. Hein. Les fours, ils seront ici. Là, j'aurai une grande allée de rangement de coffres. Ok, bah vas-y, c'est parti. Je fais les coffres. Je pense même, je vais essayer de, pour la prochaine fois, je vais augmenter de 1 le niveau des dinos. Et de 2, je vais voir pour réduire le cercle de respawn des ressources. Parce que du coup, vu que là c'est tout classique, bah, les ressources respawnent assez loin. Ça va être chiant. Bien évidemment, j'ai pas de lance. Je peux en faire une? Non, qu'est-ce qui me manque? Fibre. C'est. Voilà. Fibre. Mais casse-toi, toi là. Oui, bah hop. Voilà. Coup, il regarde avec sa gueule de con. Ouais, voilà. Dégage, donne-moi ta peau. Merci, au revoir. Ok. Ah oui, du coup, j'ai tout posé en fait. Je suis con. Je suis le roi des cons. Faire des coffres, il me faut des fibres. Que j'ai tout posé. Et j'ai la flamme de l'air farmée, donc je vais les récupérer. Hop, mets dans la vie.
Ah oui, j'ai appris aussi du coup l'armure en cuir. Il faut que je me fasse, putain, c'est ça aussi que je voulais faire. Je vais aussi me faire mon armure en cuir. Et du coup, sera bien plus résistante que mon armure en tissu. Hein? T'as plus l'armure, l'armure en tissu. L'armure en fourrure, on s'en bat les couilles. Je pourrais me faire la lance en métal. Bon, c'est pas tout de suite, hein. Les 10 de métal, il va falloir que je trouve des spots. Et je pense que je vais faire ça. Je vais partir explorer pour trouver des spots à métal. Et voilà. Le fusil à canon. Ça y est, on commence à apprendre des vrais trucs là. Des armes, putain, des armes à feu. Grand carré de culture, bah bien sûr. Le fût à bière. Ça, on regarde ça pour plus tard. Et l'armure en chitine. Ça, c'est encore plus résistant que le cuir, mais il me faut de la chitine. Et la chitine, c'est très cher à récolter. Est-ce que j'en ai sur moi là? Non, j'en ai pas. Mais du coup, ça se récupère sur les insectes. Et les insectes, pas beaucoup, à part les petits moustiques de merde là, qui me sont tombés dessus la dernière fois. C'est un peu cher à récupérer. Ou alors, il faut des trilobites. Mais ça se trouve dans l'eau et c'est pareil, c'est rare. Donc en vrai, cette armure, elle est assez chiante à faire. Mais elle est pas mal. Elle est quand même assez résistante. Ah oui, vas-y. J'ai eu. Voilà, de la viande. Cuite séchée, mais c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Du coup, ça me permet de donner pas mal de bouffe. En plus, elle périme bien longtemps après l'avoir eu, donc c'est pas mal. Alors attends, parce que du coup, je n'ai pas fait les murs. Structure. Bois, mur. Ici, ça coûte combien ça? Beaucoup de bois, beaucoup de fibres, beaucoup de branchages. Chiant, très chiant. Hop, bonjour messieurs. Donnez-moi votre fibre de branchage, votre peau. Enfin, donnez-moi tout en fait, simplement. Qu'est-ce qui a manqué? Du bois. Bah c'est parti, hein. Je vais aller farmer là-bas, là. Il va me falloir aussi du coup que je me fasse, bah, du coup, en plus de la pioche pour avoir plus de métal quand j'en farm. De ressources, en fait, et même la hache en métal. Parce que pour moi, ça va être bien. Parce que là, en fait, le truc, c'est que là, avec la hache en pierre, je récolte du bois. Mais avec la hache en métal, c'est... Je me demande si c'est pas x2, hein, en vrai. Alors que je répare ma... Bah voilà. J'en suis où, du coup, là? Pour faire mes petites armoires. Je peux en faire une, je peux en faire deux. En vrai, deux pour l'instant, c'est largement suffisant. T'es mal la taille de cet arbre. 4, ouais, 6, 10, 12, 13. Comment je peux avoir 13 de bois avec la taille du bousin? Et sur des vieux palmiers là qui font ma taille, j'en ai le triple. C'est dingue quand même. Toi, je vais les garder en branchage, j'aime bien. En branchage, en vrai, ça rend bien. Ça fait une petite toiture sympathique là. Dans l'idée, ce que je veux faire, c'est à l'étage, c'est tout ce qui va être, on va dire, fabrication, donc les coffres et tout. C'est plus tard ça, que je ferai ça, je pense. Là, pour l'instant, c'est juste histoire d'avoir un peu plus d'espace. Et en dessous, du coup, au rez-de-chaussée, ça sera bah, plus, je pense, la bouffe, les trucs assez simples. Comme ça me permettra un petit peu d'organiser mes choses. Je pourrais remplir l'espace. Et puis, ça me fera un étage, c'est pas mal aussi. Je pense que aussi, je mettrai le lit à l'étage. Alors, ici. Tac, tac. Bah non, en fait, j'avais un mur en trop. Est-ce que... Voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il allait me caler ici. Bon, c'est pas grave. Détruire. Voilà, comme ça, je récupère les ressources. Est-ce que je peux me faire... Non. Faut pas déconner. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Viens voir, papa. Toi, je te détruis. L'armoire, elle est où? Elle est là. Hop, je vais la coller contre la fenêtre. Tac. Voilà. Bah, c'est parfait, là. Ici. Ah, putain. Du coup, attends, faut que je range. Comment est-ce que je trie mes trucs? Je pense que là, je vais mettre en vrai toutes les ressources. Genre, tu vois, là, le silex, la pierre, branchage, fibre, genre des conneries un peu comme ça. Hein. Et là-dedans, je vais mettre le stuff. Genre ça, ça dégage, ça. Les constructions aussi. Ah putain, il y a ça. Est-ce que je le... Ouh, c'est fouette, hein. Ouh, c'est fouette, ça. Pas trop la place de le mettre, là. Hein. On va le garder pour plus tard. Charbon, je récupère. Ça, je récupère. Le charbon qui me permet, du coup, de faire des... comment ça s'appelle? La poudre à canon. Mais vu qu'on a débloqué le petit fusil, moi, j'ai hâte, hein. J'ai hâte de pouvoir rafaler tous ces dinos de merde, là. Ok, on va mettre le bois ici, on va l'arranger là pour l'instant. Enfin, je peux même faire chauffer avec la poule d'étincelle. Je me sens même que ça dure plus longtemps. Voilà, 80 poules d'étincelle, c'est bien. Je vais en mettre un peu ici, manière. Je voulais faire un truc, j'ai oublié, c'est une folie. Ah oui, l'armure. Ah, c'est vraiment, je step up un peu mon équipement, ma maison, tout. Armure, oh, qu'est-ce qui manque? Fibre, je l'ai rangé. Voilà. Je sais pas si j'en aurais assez par contre. Je pense que je n'en aurais clairement pas assez. Tac, tac, tac. Mais j'en ai assez, mais c'est incroyable! C'est incroyable, putain! Allez, c'est parti! Le remplacement de la tenue de merde. Voilà! Oh le flou du perso là! Attends, je vais mettre au soleil. Voilà! La petite truc en cuir derrière qui bouge là. J'aime beaucoup! Je suis un peu plus résistant. Là, c'est mieux. Là, je suis carrément mieux. Là, oui, on va partir. Je pense chercher du métal. Je vais prendre le... je vais partir un peu en exploration. Faut que je trouve un spot à métal. Comme ça, au moins, je pourrais m'y rendre directement dès que j'ai besoin de métal. Parce que là, pour l'instant, je sais pas s'il y en a. L'île en face, il me semble pas que j'en avais trouvé. Donc, je vais peut-être partir par là. Je sais pas du tout où c'est. Parce qu'il y avait sur l'ancien jeu, du coup, sur le premier, je savais à peu près où ils étaient. Mais là, vu qu'il y a des remaniements de map, je ne sais pas si les spots ont bougé ou pas. Je pense pas. Mais dans cette zone, je sais plus où est-ce qu'il y a du métal. Donc, tant pis.
Attends, déjà, je vais poser tout ce qui me sert à rien, parce qu'à tout moment, je meurs, bêtement. Donc, en vrai, je pense que non, vas-y, je la garde, on sait jamais. Dans le doute, je garde, on sait jamais. Ça, pareil, ça, trop important pour que je le perde. Pêche tranquillisante, inutile pour l'instant. Donc, tac. Ah oui, j'ai... Enfin, si je mets cette porte. Ok. Ça, c'est la porte... Ouais, c'est la stone reinforced dedans, c'est pour les murs en pierre, c'est ça normalement. Ça, ça peut dégager. Ça, chitin, peau, ça dégage. Ça, je garde pour faire chauffer de la viande si j'en ai besoin. Les deux, in my estomac. Allez, même les narcos, ouais, je m'en bats les couilles. Je vais m'endormir, c'est pas mon problème. Ça, je mets ça là, non, ça reste ici. Voilà. Putain, mais j'ai l'arc, c'est vrai ça. Ça dégage, j'ai plus besoin de l'arc. Voilà, ça va pareil, j'ai pas besoin de ça. Attention, voilà. Ok, oui, elle est belle. Hein. Oh là là. Ça, ça fait mal, ça. Là, normalement, je crains rien. Déjà que les dinos de base sont pas très haut niveau. Mais alors là, là, je suis bien. Bah, du coup, c'est parti. Je pense que ça, je pourrais réparer ça quand j'en aurais besoin. Tac. Ilio Brisibis, il est là. Allez, bah, je pense que je vais partir explorer par là. Parce que sur l'île là-bas, il y avait pas de métal. Alors, j'en ai pas trouvé. Est-ce que j'y retournerai si jamais? Et là, pour l'instant, on va plus partir découvrir cette zone. Parce que je me suis pas enfoncé dans la forêt là. On est arrivé ici. On n'a pas bougé. On s'est pas trop enfoncé. Donc là, c'est le moment. Attends. Avant de partir, on va aller remplir la petite gourde. Juste ici, voilà. Allez. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je vois. Je sais pas s'il y a une montagne là. Parce que du coup, normalement, le métal, ça se trouve dans les montagnes, dans les hauteurs. Mais là, je n'ai aucune idée. Par contre, j'ai qu'une seule lance. Donc, il va vraiment falloir que je joue avec mon arbalète. Parce que sinon, ça va pas le faire. Je vais canner bêtement. Ah, des hauteurs. Peut-être qu'il y a du métal là-haut. Il y a peut-être du métal. J'espère. Hein. En vrai, s'il y a du métal là, je suis trop trop bien. Parce que du coup, j'aurais pas besoin de décaler giga loin pour farmer. Par contre, attends, mais il y a mon perso, il canne là. Et pourquoi il meurt? Ah, mais je meurs de chaud! Merde! Attends, mais je vais canner là. Attends, mais je crois que c'est à cause de l'armure. Parce que du coup, il y a un système de thermique. Genre, en gros, ça là, résistance à la chaleur, moins 5. Ah bah oui, en fait, je suis en train de canner de chaud avec ça. Pas? Non, tu veux pas? Je vais canner. C'est une folie. Je vais mourir de chaleur. Mais. Il fait 55 degrés aussi. Hein. Tu m'étonnes que je crève. Hein. J'ai pas d'autre solution là. Hein, pour ça, moi. La température va pas baisser du tout. C'est quelle heure? C'est 11h. 55 degrés. Par contre, c'est une folie. Un four, c'est-il? Et je crois qu'en plus, il n'y a pas de métal. Ah. Attends, si. Non, ça, c'est une pierre normale. Normalement, les pierres à métal, elles ont un aspect un peu doré. Doré, argenté. Enfin, elles brillent un peu, quoi. Et c'est bizarre qu'il n'y en ait pas là. On est un peu en hauteur. De toute façon, j'ai canné là. Il me reste combien de points de vie là? Il me reste 8 PV. J'allais m'en sortir. Faudrait que je mange. En fait, le problème, c'est que là, je n'ai aucun moyen de m'en sortir. Je vais forcément mourir. Bon, bah. Là, j'entends des bruits, il y a des prédateurs de fou. Attention, combien de points de vie et. Bah. Oh non. Oh non, il y a les moustiques. Oh non, pitié. Les moustiques, ils attaquent quand il y a des cadavres à côté. J'espère qu'il va pas mourir, Brisibis. Parce que là, s'il meurt de ça, vraiment, c'est une folie. Allez, vite, 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 vite. Il y a le marqueur juste là. Je suis à 500 mètres. Oh. Il va m'attaquer lui? Bah, il va m'attaquer. Attends, juste prendre ça, voilà. Comme ça, s'il veut me voler des trucs, il me les prend. Il va me prendre de la merde. What the fuck? Mais attends, c'est la première fois que je canne de chaud par contre. C'est une folie, hein. Et pourtant, j'étais à poil, hein. Mais pourquoi y a jamais un truc qui se passe bien? C'est une folie. Je n'ai pas de chance sur ce jeu. 55 degrés, mais c'est quoi cette chaleur? M'étonne qu'il canne, mon perso. Mais comment ça, j'ai déjà soif? Ah, bah, en même temps, c'est ça qui fait chaud, quand même. Oh là 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 là. Oh la catastrophe, ça commence déjà, là. Ça commence déjà, la catastrophe, là. Là, ça va être l'échec numéro 2, là. Waouh, chaleur. Du coup, vu que j'ai soif, mon endurance remonte lentement de zinzin. Ouais, waouh, c'est si long. Mais je n'ai pas de réussite. Pitié, mais laissez-moi vivre. Et c'est trop. Mais gros, je n'ai pas de chance. C'est une folie. Je vais encore perdre. Hein. À briser, hein, je crois que... On te veut pas, je crois, dans cette aventure. Oh non. J'ai même pas capté un peu le niveau du Dilophosaur, mais je crois qu'il pue la merde là. Vas-y, ça casse les couilles. Bah ouais. Ah bah j'ai plus d'énergie, parfait. Ok, voilà, ça donne de la chitine ça normalement. Viens là toi. Ah, il fait plus chaud? Il fait combien là? 26 degrés. Il faisait 55 il y a 3 minutes là. Ouais, bah, tant mieux hein. Hop. Alors, j'aimerais bien. Voilà, bah. Ça c'est Brisibis ça. Oh le frérot. Oh, il y avait des patates, ouais. Il y avait quoi? Graines de citron, graines de patates, graines de maïs. Ouais, je prends. Le reste, on s'en bat les couilles. Oh, vas-y, j'ai trop la haine. Faut que j'en retais main. J'ai trop la flemme. C'est une folie. Après, ça va maintenant, j'ai des flèches tranquillisantes. Ce sera plus facile qu'avant. Mais. Je pense que, en vrai, la
Genre, si je vais en retailler, je vais attendre de monter le niveau des Gino. Comme ça, moi, j'aurai un vrai parosaur. Bien solide sur les appuis. Je vois rien, tout le monde, il y a une falaise. Genre là, par exemple. Bon, non, parce que du coup, j'étais parti pour chercher du métal. Y'a que dalle. Hein. Je cherche du métal, j'en trouve pas. Et je perds Breezy. C'est une folie. C'est vraiment. Par exemple, non, je vais en retailler. Hein. Il va s'appeler Breezy. Je sais pas combien, là, numéro 3. Ah, il est là, le frérot. Ah, viens voir. Voilà. Une flèche, pas deux. Chien, voilà. C'est lui qui l'a tué, je suis sûr. Le Ptera, là. Il va se manger une flèche houlette, là. Là. Entre les deux yeux. Voilà. Ouais, tu es plus loin. Oui, c'est. Il est mort, mais il a continué à planer. Oh, alors, je t'aime un iguanodon. Ah, ça peut être pas mal, ça. Parce que, en vrai, iguanodon. Bah, c'est un peu comme un parasaur, c'est-à-dire qu'il peut porter du poing. Et par contre, ça tape un peu plus. Donc il pourra se défendre. Ah ouais, attends. Oh, vas-y. Voilà, forcément. Voilà. Hop, le moustique. Là, il y a encore son frérot qui va arriver. Voilà. Il est où? Il est où? Il est là. Ah, attends, parce que du coup, en vrai, j'avoue que Iguanodon, ça pourrait être pas mal en vrai. Hein. Après, niveau 6, il est pas fou. Mais ça peut être un. Ça peut être un bon génon. Iguanodon. En plus, je peux apprendre ça, c'est il me faut du bois, de la peau et de la fibre. Je crois que ça va partir sur un iguanodon, non? Au moins pour changer. Au moins pour changer. Par contre, du coup, j'ai pas pris les tranquillisants. Parce que je n'avais pas prévu de perdre Breezy. Et au pire, c'est pas grave. Lui, je le laisse ici. Je sais qu'il est là. Aïe, 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 aïe. Ah là, ce qu'il y a là, juste là, ça, c'est un carnot. Un bicarnivore. Attends, quoi? Non, si, oui, c'est un carnot. Oui, c'est un carnot. Ouais, je vais me barrer. Hein. Pas de métal, carnot. Oh, qui me graille dans l'oreille, là. Espèce de boucan. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Oh! C'est incroyable! Allez, bah lui, Black Kid. Hein. Petite ref. Au frérot, Black Kid. Hein. Bah parfait! Bah, au final, du coup. Mais c'est encore mieux parce que du coup, ça farme 10 fois mieux qu'un Iguanodon ou un Parasaur. Et du coup, il est. Parce que du coup, s'il n'y a pas. Ici, là, en fait, si j'ai pu l'élever, ça veut dire qu'il n'y a pas ses parents. Attends, parce qu'il y a le Carnot, s'il te plaît, j'aimerais bien éviter qu'il ne meure pas. Du coup, ça veut dire que ses parents sont morts. Et si ses parents sont morts, c'est pas bon signe. Bah non, bah si, ils sont là. Bah, je lui ai volé son gosse. Il m'en veut? Non, il a pas l'air. Il a assez chill. Niveau 13, tu vois. Niveau 16, celui-là. Et lui, niveau 16. Attends, c'est... Fleur, c'est quoi, lui? C'est un mâle. Et lui, j'aime bien. C'est un mâle aussi, hein. Putain, c'est un mâle. En vrai, je suis limite tenté de le tuer. Non, vas-y, non, vas-y. Je grid. J'en fais un peu trop. On va juste rentrer. Vas-y, viens. Donc, pas de métal. Pas de métal. Je perds Breezy, mais je gagne un Triceratops dans l'histoire. Il m'aura coûté 0 ressources. Après, gagne un Triceratops, hein, je suis pas rentré encore. À tout moment, il se fait grave par je sais pas quoi. Il dit, viens, putain, qui est-ce qu'il est lent, le frérot? J'aimerais bien rentrer d'abord avec lui. Je rentre avec lui, comme ça je le sécu. Ah, mais attends, faut que je le nourris, parce que sinon il va canner de faim lui aussi. Hop, mange tes baies. Oh, il est grave. Hein. Il est grave bien. Ok. Et ce qu'il faut que je le nourrisse, parce que la dernière fois, quand j'avais pris le petit Dilophosaur la toute première fois, bah, il est juste canné parce que je l'ai pas donné à Grey. Donc cette fois-ci, je fais pas la deuxième erreur. Par contre, je sais pas du tout, je suis où par rapport à la maison là? Ah, mais je suis à la zone de début là. Non? Si, je suis à la zone de début. Chiant. Je reste encore un deuxième Carnot. Qu'est-ce que c'est? Allez, viens, on se casse, Black Kid. Ah, désolé, Breezy. Hein. Ah, malheureusement, le destin est contre toi. Je pense que l'Iguanodon que je vais tame. Parce qu'en vrai, le Triceratops c'est bien. Mais le problème, c'est que c'est lent de fou. Du coup, pour se déplacer, c'est pas incroyable. Donc vraiment, je vais prendre un Iguanodon. Et il sera renommé Breezy numéro 3. T'inquiète pas. Bon, ça y est. Enfin, le petit Black Kid est ramené. C'était si long. Oh, la distance. Je pensais vraiment pas être aussi loin. Et en plus, il est lent de ouf, lui. C'est une dinguerie, par contre. Est-ce que t'as des baies? Oui, t'as des baies. C'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir te nourrir quand je suis pas là. Les petites grenasses, je vais les restocker, genre, là, on va les couilles. Voilà. Oh, c'était si long. C'était un enfer. Hein. Vivement que tu grandisses, toi, que tu me serves à quelque chose. Là, c'était très chiant. Moi, j'ai pas trop de métal. Du coup, au final... je ne sais absolument pas où est-ce que je peux en trouver. Par lui, parce qu'il demande de... il va demander de l'attention normalement lui à un moment. En combien de temps? Dans 4 minutes. Ouais, allez, en 4 minutes, est-ce que je peux trouver du métal? Parce que là-bas, c'est vraiment bizarre, j'ai pas trouvé du métal là-bas. C'est vraiment bizarre, mais il n'y a pas d'autre spot à métal. Peut-être là du coup, parce que là il y a l'île. Mais ici, je suis pas allé fouiller ici, en face là. Parce que si on regarde la map, donc là je suis le point vert. Donc on a visité l'île qui est juste en face, là où je regarde là-bas. Et là, c'est là d'où je viens où je suis mort. Mais ça en face, on l'a pas visité. Donc potentiellement, j'ose espérer, il y a du métal quand même là-bas. Non? Ça serait sympa quand même. En plus, j'ai soif, faut que je descende. Bah, en vrai, j'y vais sans monture, c'est giga con ce que je fais. Hein. Parce que si je canne,
Ça va être chiant à aller retourner là-bas. Est-ce qu'il y a des trucs sous l'eau là qui peuvent potentiellement voir mes fesses? Un clairbrasier. Voilà. Voilà, c'était sûr. Voilà. Tirana de merde. Bon. C'est compliqué de passer par là. Passer par là. Hein. Mieux. Voilà. J'ai trop peur. Vraiment, s'il y a un truc qui me graille le cul ici, ça va être un enfer de récupérer. Hein. Attends, je mange un coup. Je vais me prendre la viande séchée qu'il y a dans mon inventaire. Elle est où? Je l'ai mangée. Bah, c'est parfait. Je pensais qu'il m'en restait. Bon, bah, nique, hein. Comment je fais pour monter là? Est-ce que je peux grimper là? Est-ce que je peux tenter de faire un peu de parcours là? Hop, non, c'est apparemment, je peux pas. Le jeu ne m'interdit. Allez là, mais c'est moi qui me bloque là, y'a tout qui me bloque là. Par contre, je m'éloigne de fou, mais l'autre va bien. Après, je m'en fous, soit qu'il ait de l'attention. Genre, que ses stats augmentent, genre, je vais pas m'en servir pour me battre, je vais juste me servir à farmer de ressources. Ah, mais c'est que là, je m'éloigne. Le truc là-bas là, qui a bougé. Ouh, attends, on va sauvegarder. Hein. Voilà. On va éviter les problèmes. Là-haut là, là, je suis un PD, y'a pas du métal. Qui s'y attaque? Au secours? Au secours? Ah, à l'aide. Oh, il y a des trous d'ombre plus là. Allez, la fourmi, ça dégage. Ça me fera de la chitine. Allez, toi aussi tu dégages, esquive. Y'en a combien? Mais j'ai toujours plus de mobs. Allez, bah allez-y. Bah, y'a d'autres fourmis. Mais je n'ai pas le droit au bonheur. Allez là! Mais ils sont combien sur moi là? Mais c'est quoi cette bataille? Mais ils sont combien? Mais gros! Allez, bah je les rate en plus, hein. Allez là, va te faire foutre. Mais gros, ils sont combien? C'est une embuscade là, je comprends. Hein. What the fuck? Mais ça sert à rien, voilà, ta gueule. Bon, moi j'aurais des ressources là. Hein. Voilà, moi ça. Voilà, moi ça. Y'a tous les insectes là. Je crois qu'ils les ont graillés ces chiens, mais je pourrais même pas les farmer. Bah ils les ont graillés, hein. Non, là, il y en a une. Un chitin, c'est pas énorme. What the fuck, mais gros, ce que je me suis pris. L'embuscade du siècle, gros. Une armada qui me tombe dessus. Ah, j'ai chaud, ça, il refait combien? 37. Ça va, j'ai de l'eau. Ouais, 37 degrés, tu. Ah, ça. C'est quoi? Je me casse. Je me casse. Je m'embarque dans un truc, les frères, je. Je vais jamais m'en sortir, je crois. En plus, je fais tout. Et bah voilà. Aïe, c'est un carno. Aïe. Ce qui me suit? Non, il m'a lâché. Allez, je me reprends une embuscade, mais c'est fou. Et ta gueule pour toi. Je suis tombé où? J'aime bien te récupérer. Allez, voilà. C'est une folie. Je. Voilà, ta gueule. C'est quoi, je vais même pas récupérer tes ressources. Je vais te laisser crever là. Oh, mais gros. Mais je vais faire comment, moi? Je trouve pas de métal. Je vais mourir. De faim, de soif. Non, vas-y, je rentre. Non, en fait, il faut que je revienne plus équipé. En fait, limite, je me demande même si je vais pas revenir avec le triceratops. Parce qu'au moins, certes, il est lent. Mais au moins, il va taper fort. Je vais rentrer. Je vais attendre que l'autre grandisse. Et que je pourrai me défendre. Parce que là, ça va être impossible. J'ai vu qu'il y a un carno. J'y vais, je me prends des embuscades pas possible. Bon, c'est pas un épisode, c'est pas un échec. C'est pas un échec de fou. Mais on n'est pas sur une grosse réussite. Hein. Je sais pas comment je vais faire. À chaque fois, il y a toujours un truc qui se passe. Genre, un dino qui meurt, moi qui meurs, et l'autre qui crie. Ça y est, là, on dirait que c'est la fin du monde. Ça y est, t'as soif, t'inquiète. Attends, j'arrive. Tu vas boire un coup, regarde là. Regarde. Voilà. Ça a rien de crier. Elle gueule, c'est mort là. Je dis elle, mais c'est quand même un gars avec une bonne meuf. Qu'est-ce que je peux augmenter? Quoi? Je fais une folie, j'augmente la soif. Un peu une stat de merde à monter, mais là, moi, on va tenir un peu plus longtemps sans boire. Alors que, ah, en plus, il demande de l'attention, lui, c'est parfait. Hop, et, oh, il commence à grandir, le frérot. Je veux faire une promenade avec vous. Hop, viens sur moi. Okay, j'ai entendu un truc. Voilà, ta gueule. Je suis étonné qu'il ait pas. On va voir, je fasse un enclos ici, hein, pour protéger mes dinos. Voilà. 20%? C'est pas énorme. M'attendais à ce qu'il récupère un peu plus de... Et pourquoi je meurs encore? Qu'est-ce qui se passe? J'ai chaud? 54 degrés. Mais gros, les températures ici, c'est une folie par contre. Hein. Voilà, arrête de... Non, quoique, attends, viens ici, parce que j'ai peur que tu te fasses... alpaguer. Je me permets l'expression. Voilà. Toi, donne de l'XP à tout le monde. Parfait. Ouais, attends, je vais me faire des toits. Attends, je vais me faire les toits. Structure, branchage, s'il me faut. Bah, du branchage. Normalement, j'en ai dans ce coffre-là. Voilà, je crois. Je vais recanner. Mais en plus, je viens de boire. C'est une folie par contre, la soif, comment elle descend vite. Quand elle me dit que je suis à l'intérieur, ça y est, elle hurle à la mort. Et je vais encore caler. 10, 9 PV. Mais pourquoi il fait si chaud? Je n'avais pas ces problèmes la première fois. Je n'ai pas de chance dans ce putain de jeu de merde. Bon, ouais, c'est pas grave. Je vais mourir. Voilà, c'est parfait. Bon, pas grave, ça va clôturer, je pense. C'est un deuxième échec. Non. Enfin, si, en vrai, c'est un peu un échec. J'ai perdu Brisibis. Mais on a gagné un Triceratops. On a gagné Black Kid. Déjà ça. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. Prochaine fois, je le jure,
Ça va mieux se passer parce que là, ça va pas du tout. Prochaine fois. Iguanodon. Ah, c'est une promesse, hein. Iguanodon. Le triceratops sera plus grand. Je trouve du métal. Et ça, je pense que ce sera voilà, pour la prochaine fois. Et plus tard, la maison, du coup, je ferai l'étage. Mais là, ça commence déjà à faire long. Donc je vais couper ici. Et prochaine fois, c'est la promesse. Iguanodon, métal. Et je sais même plus ce que j'ai dit, c'est une folie. Bref, la bise.